Bonjour, Tantine. Voilà, tu voulais en savoir plus sur ta famille, notre famille. Alors, je vais tout te raconter. Mais je te préviens, tout ceci, c'est pas facile à entendre. Marie a vécu il y a plus d'un siècle dans un village du Berry, en France, à côté du Soudan. Elle était la femme du maire. À cette époque, la France était en guerre contre l'Allemagne et les gens y mouraient de faim. Sorciers et rebouteux du coin pratiquaient la magie, bonne ou mauvaise. Le maire consulta un rebouteux pour soigner son bétail, mais aussi parce que Marie et lui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ce rebouteux était un paysan qui mangeait et dormait chez eux et les accompagnait partout. Un jour, Marie est tombée enceinte et elle accoucha d'une fille qui ressemblait un peu trop au paysan. Le mari bafoué se servit de ses relations pour expédier le rebouteux au bagne de Nouméa. Lorsqu'il fut arrivé en Nouvelle-Calédonie, on lui donna un surnom berrichon, le loup-brou. Ce terme désigne les vagabonds et veut dire aussi homme-loup. Tous les dimanches, au lieu d'aller à l'église, le vieux loup-brou allait prier dans la mangrove, derrière la forêt, pour y enterrer sa magie.